Bonjour, je m'appelle Marie-Laurence Fillion, j'ai 9 ans, puis mon numéro c'est 521. On m'a donné jusqu'à 100 ans pour pouvoir tout imaginer, pour perdre mon temps à écouter le son que la terre fait en tournant, à essayer de décrocher la lune que tout le monde s'arrache, avant que personne d'autre ne sache qu'on l'avait déjà exploré hier. Je me suis perdue en m'envolant dans les airs. Je ne me suis même pas reconnue en reposant les pieds sur terre. Où est-ce qu'on s'en va? J'ai peur de me retrouver sans temps pour apprendre à contrôler chaque fréquence de sentiment, chaque passion inavouée, pour aller jusqu'à deviner sans que personne d'autre ne sache tout ce que les mots me cachent sans qu'on les ait prononcés hier. Je me suis perdue en m'envolant dans les airs. Je me suis même pas reconnue en posant les pieds sur terre. Où est-ce qu'on s'en va quand on n'a que 100 années? Si on ne revenait pas une fois qu'on a pris notre envolée, où est-ce qu'on s'en va? Pour m'inventer d'autres années.